Ferroni. Nous sommes ici au château des Cressaux, le lieu de production, de distillation et de vieillissement des rhums, du pastis, des liqueurs anciennes. Alors moi, je suis ici du milieu du bar, et dans le bar, j'ai une passion, c'est les cocktails et les spiritueux anciens. Je me suis mis à refaire du rhum à la façon marseillaise, comme on faisait au 19e siècle. Après, j'ai également une deuxième casquette qui est la réédition de spiritueux anciens, marseillais ou pas. Nous produisons également un pastis, qui est un pastis singulier, qu'on fait à l'ancienne, c'est-à-dire par macération de plantes. Et on travaille uniquement les plantes fraîches, vertes, qu'on récolte ici. On fait également un rhum au miel, le ratafia de Marseille, qui était une liqueur classique qu'on buvait aux 13 desserts. L'eau verte de Marseille, qui lui est liée à un épisode un peu triste de Marseille, c'était l'épidémie de choléra. De manière générale, j'aime bien m'approvisionner soit avec les artisans locaux, soit les commerçants. Par exemple, l'épicerie du Père Blaise, c'est notre fournisseur en épices. Donc on aime bien comme ça picorer dans le local. On puise beaucoup de nos recettes et de nos méthodes dans des ouvrages anciens. Pour tous les produits distillés, on travaille également à l'ancienne avec des très vieux alambics. On aime beaucoup innover et on innove des fois dans des directions totalement barrées. Et on a distillé de la bouillabaisse, on fait des fermentations de baies. On est vraiment dans l'expérimentation ou même la provocation. Et après, il y a une troisième chose qu'on aime beaucoup et sur laquelle on est aussi très attaché, c'est les contacts humains. Donc on fait beaucoup de coopération. Les croisements avec les producteurs de matières premières ou les producteurs de spiritueux, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Alors, on a un petit atelier, rue Neuve-Sainte-Catherine à Marseille, qui est un lieu multifonction. C'est un lieu dans lequel le but, c'est d'initier les gens donc, à la dégustation, à la découverte des produits. Donc, on fait des ateliers de dégustation, des ateliers cocktails, des visites découvertes, des masterclass. C'est aussi un lieu de production, parce qu'il y a une petite partie production, c'est là où on fait les produits. Où il y a marqué « Fait à Marseille », notamment le ratafia de Marseille, l'eau verte de Marseille. Et on fait également vieillir du rhum dans cet atelier-là. Et au château des Cressaux, donc lieu de production du pastis, on a également dans les chais du pastis, une petite boutique devant. Donc, je vous invite à venir découvrir nos produits sur le site de production. Ça, vous pouvez voir comment on les fait de A à Z. Quelque part, je dis, chaque produit raconte une histoire. Donc nous, quand on fait des produits, il y a toujours derrière un historique ou un objectif. Et donc on aime bien également raconter l'histoire autour de ces produits-là. Donc venez la découvrir au château des Cressaux ou à l'atelier Ferroni.